Bonjour à tous. Donc Régis Aubourg de la société Auslandia. Je prends la suite donc de l'hygiène, toujours sur des applications géomatiques, parce que la carto, on aime ça chez nous. Et je vais vous parler de l'acronyme barbare, du terme barbare Low Level Security Policies, tout simplement les règles d'accès ligne par ligne. Pour filtrer des données par utilisateur. C'est un cas d'utilisation en fait extrêmement simple et récurrent pour lequel on n'a pas de solution il n'y a pas si longtemps que ça au niveau des bases. En deux mots, donc Auslandia, c'est une PME française qui date de 2009, qui a de fortes proximités avec Dalibo. On est en partenariat depuis la création de l'entreprise. Chez Auslandia, on adore Postgres et PostGIS. Et voilà, on fait l'open source essentiellement, tous en télétravail, quinzaine de collaborateurs. Et on travaille sur cette galaxie d'outils du monde de l'OSGO, donc une fondation internationale de droit américain, dont je suis président de la version française de l'OSGO France, le chapitre local, donc qui est dédié à promouvoir les outils que vous connaissez tous probablement. PostGIS, QGIS, mais également MapServer, GeoServer, les librairies qui sont en dessous, GDAL, Proj, sans lesquelles tous ces outils ne seraient pas grand-chose. Et on fait surtout du C++, Python, JavaScript et assez peu de Java, une segmentation assez technologique dans ce qu'on fait. Il y a pas mal de 3D aussi, etc. Alors, revenons aux besoins métiers qu'on voit très classiquement. Qui existe dans toutes les applications. Dès que vous vous loguez en tant qu'utilisateur, vous avez bien envie de ne voir que vos données, quelle que soit l'application dont on parle. Et le challenge, c'est faire ça sur des applications cartographiques qui permettent de gérer le territoire. C'est extrêmement vaste en termes de domaine. Vous en avez dans toutes vos collectivités, communes, opérateurs de distribution d'eau, de réseau, de fibre optique, etc. On retrouve très classiquement pour l'eau potable, pour l'assainissement, le cadastre, la route, des applications de gestion. Et évidemment, on a envie qu'un utilisateur qui a des droits sur un territoire ne puisse pas au moins éditer les données qui ne sont pas chez lui et parfois ne pas voir les données qui ne sont pas chez lui. Je pense notamment au cas des données sensibles du cadastre. Il y a vraiment des réglementations sur les données personnelles, les données financières, etc. Et puis après, juste dans l'idée de ne pas aller détruire la donnée de son copain de la commune d'à côté, c'est quand même pas mal. On a évidemment des millefeuilles administratifs en France avec des syndicats intercommunaux à qui on délègue des compétences. Donc on peut se retrouver avec des imbriquements de territoire pas forcément simples à gérer. Et voilà quelques illustrations d'applications. Ça, par exemple, c'est les égouts de Paris. Alors, on pourrait imaginer qu'il y a une personne en charge de maintenir le réseau et les ouvrages dans chaque arrondissement, vous voyez en couleur. On pourrait imaginer une application du Grand Paris qui fait que chaque commune a une délégation pour saisir les données. Voilà, vu de près, le type de données qu'on peut manipuler. Mais encore une fois, c'est la cartographie, c'est complètement transversal. Particularité de mon angle de vue, en général chez Auslandia, on travaille beaucoup avec des outils bureautiques desktop, QGIS essentiellement, et on adore le faire travailler directement avec PostgreSQL et PostGIS, parce qu'on peut déjà tirer parti de la puissance d'un système de gestion de base de données et faire le boulot de traitement des données à la base, mettre de l'intelligence métier et se retrouver avec une architecture qui se convertit très bien dans un monde web, notamment en s'appuyant sur QGIS Server, pour diffuser ces mêmes données sous forme de services web interopérables, qui partent sur, mais des clients web qui viennent faire à peu près la même chose que ce qu'on peut faire en bureautique. Et évidemment, le monde du bureautique qu'on avait enterré il y a quelques années en se disant que tout passerait en web, ben en fait, il est loin d'être mort. Hein. C'est toujours beaucoup plus puissant que des applis web pour faire de l'édition avancée. Donc, on a besoin de ces architectures un peu mixtes, bureautiques et web. Les contraintes de ces applications-là, c'est qu'elles accèdent directement aux bases de données sans surcouche applicative. Si je vous montre ici un aperçu d'une définition de source de données QGIS vers ces fameux tronçons d'égout sur Paris,
On voit directement, non pas un web service REST, une API Flask, etc. On a directement l'accès SQL au nom de la table, à la géométrie qu'on va utiliser pour représenter ça dans une carte, éventuellement à une sous-requête qu'on peut mettre pour filtrer un peu des choses, clé primaire, etc. Tout ce qu'il faut pour pouvoir éditer, toutes les métadonnées pour pouvoir localiser ça sur une carte. Donc on n'a pas vraiment de choix que de travailler avec Postgres pour la gestion des droits. On est un peu coincé, sauf à faire une application qui est construite sur la base de QGIS, dans une extension Python qui viendrait rajouter des services. On le voit également fréquemment, mais on n'est plus sur du QGIS natif. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous reprendre les droits classiques PostgreSQL, les droits sur les tables, les vues, les colonnes. On a encore en formation pas mal de gens qui ne savent pas qu'on peut filtrer des colonnes avec les droits classiques. Mais pour autant, à l'intérieur d'une table, on ne peut pas filtrer les ensembles de lignes. Donc, plutôt que de construire des systèmes relationnels où on commence à voir les territoires dans les modèles de données, ce qui ne passera pas à l'échelle, on va essayer de trouver des solutions différentes. Alors, quelle que soit la logique de filtrage, c'est toujours pareil, il faut qu'on connaisse l'utilisateur courant, d'une manière ou d'une autre. Et donc, on va se servir d'une notion de travail dans une session où un utilisateur est connecté à la base. Et avec ça, on va aller filtrer les données. Donc, c'est un point commun à toutes les méthodes possibles d'accès à des sous-ensembles de données. Qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils côté Postgres pour faire ça? On a deux variables que vous devez connaître, je pense, qui s'appellent Current User et Session User, qui se ressemblent fortement. Le session user, c'est celui qui a été utilisé pour la connexion de la base de données. Et le current user, c'est l'utilisateur courant. On peut changer ces données-là à la volée par les commandes SQL. Donc set role, ça va nous changer l'utilisateur courant. Set session authorization, ça va nous changer la session courante. Évidemment, il faut avoir les droits d'utiliser ces commandes-là. La session, c'est plutôt le super utilisateur qui peut la changer. Mais bon, à tout moment, vous pouvez faire un select pour savoir dans quel contexte vous êtes. Et là, PSQL reste un outil imbattable pour tester dans quel état on est et qu'est-ce qu'on est en train de tester. Alors, comment on fait dans le reste du monde quand on veut faire ce cas d'application très classique? On fait une gestion de droit qui est applicative. Donc, on va avoir dans notre application et dans notre base de données des tables d'utilisateurs, des tables d'utilisateurs et de groupes, des tables de relations entre les deux. Et puis dans mon cas, je veux filtrer l'accès par des utilisateurs ou par des groupes d'utilisateurs à des territoires. Pour faire simple, je vais prendre l'exemple des communes. J'ai envie d'afficher que certaines communes. L'application, en général, voilà, votre composant côté serveur, il se connecte à la base avec un seul rôle qui a les droits de voir toutes les données. Et puis, c'est l'applicatif qui décide de faire les bonnes requêtes qui vont bien, votre ORM, etc. Ça peut avoir des implications en cas de faille de sécurité. Ça veut dire qu'on a un utilisateur qui voit pas mal de données, donc il peut potentiellement récupérer beaucoup de choses s'il y a une faille dans l'application. C'est une des failles de cette méthode-là. Comment on faisait avant de connaître les role level security? On bricolait, en fait. C'était vraiment très moche. C'était acquis. On utilisait également les variables de current user ou session user dans des vues dans lesquelles on rajoutait des clauses WHERE de ce type-là. Donc là, c'est une version extrêmement simplifiée pour la pédagogie de la présentation. Là, je prends une vue utilisateur. Je vais filtrer que la colonne utilisateur contient que les lignes qui sont égales à l'utilisateur courant, current user ou current session, suivant ce que j'ai choisi d'utiliser. Ça marche à peu près. Donc là, c'est un exemple pédagogique, hein, évidemment. Dans un modèle réel, on ne va jamais travailler avec les utilisateurs de connexion nominative pour filtrer de la donnée. On va passer par des groupes intermédiaires. Si je passe sur une présentation un peu plus proche d'un cas d'usage réel, territoire et groupe, on va arriver à ce type de requête. Il y a mille façons de l'écrire, je vous laisserai l'optimiser.
où on récupère les communes qui sont dans une liste, qui rentreront vrai ou faux si ma table intermédiaire de relation entre utilisateurs, groupes et communes, ma petite requête-là, répond vrai. Voilà. Alors, donc dans ce cas-là, on peut réutiliser exactement le même modèle qu'un filtrage applicatif. On peut utiliser des tables système pour requêter utilisateurs ou groupes si on ne veut pas faire de la redondance et répliquer des informations qui existent déjà dans les rôles. Les limites sur les vues, eh bien, c'est que bah, c'est une migration de votre modèle de données. Soit il faut rajouter des vues dédiées, soit il faut modifier les vues en place. Donc vous n'avez pas forcément envie de faire ça. Il peut y avoir des problèmes de sécurité avec des gens assez doués pour créer des petites fonctions, pour récupérer des données avec les explain et récupérer toutes les données des tables avant de les filtrer. Il y a des outils comme les security barrières pour aller bétonner ça, mais ça devient plus technique à manipuler. Et puis je ne peux pas le désactiver à la volée comme ça. Les vues sont en place avec leur filtre. Donc je peux juste changer d'utilisateur courant. La belle manière de faire, bah, c'est évidemment ce qui est arrivé en Postgres 9.5, qui était attendu depuis longtemps, c'est les Row-Level Security Policies, politique de sécurité de niveau ligne, dont je vous engage à lire la documentation, qui est comme toujours extrêmement bien faite, avec beaucoup d'exemples. Donc voilà, moi j'ai tout découvert par ça, et c'est très très bien fait. Hop, excusez-moi, j'ai perdu ma syntaxe. Voilà. La syntaxe, elle est assez simple. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec de la carto. Je crée une table avec des comptes, qui a dedans un contact, un admin, qui est le nom de l'utilisateur qui a droit de voir les choses. Et on va activer les Row-Level Security sur une table. À ce stade, on ne voit plus de données. On a activé un filtrage de sécurité. Pouf, il n'y a plus rien qui sort. Sauf pour des utilisateurs, super utilisateurs ou autres, qui ont des droits explicites de contourner les Row-Level Securities. Donc là, premier piège, on les active, on ne voit plus rien quand on est en train de découvrir le sujet. Puis ensuite, on crée des politiques de filtrage qui répondent vrai ou faux pour chaque ligne. Donc, la politique ont un nom, elle s'applique à une table, et on peut les affecter à des utilisateurs, à l'utilisateur public, et on peut jouer avec pas mal de configurations possibles. Et ça va utiliser une règle de filtrage. On peut avoir des variations, donc on peut activer un certain nombre de politiques qui se jouent en coordination sur une même table, qui peuvent se jouer soit de manière permissive, soit restrictive, avec des AND ou des OR. Et donc on peut faire par exemple un cas classique, tout le monde a le droit de lire, seulement certains ont le droit de modifier les données. J'ai perdu. Excusez-moi. Problème de zoom. Voilà, c'est mieux au milieu. Donc une règle qui va jouer sur les écritures, elle va s'écrire un petit peu différemment. Elle va avoir besoin, comme une règle de lecture, d'utiliser la clause using, parce que pour pouvoir mettre à jour, il faut d'abord pouvoir lire les données pour exécuter les filtres WHERE. Et il va falloir vérifier dans un deuxième temps les données qu'on a proposées à écrire dans la base, est-ce qu'elles sont conformes également à ces règles? Et donc là, on a un deuxième check, une deuxième contrainte qui peut vérifier. Là, ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre la même contrainte. Donc, ça permet d'éviter qu'un utilisateur crée une ligne chez l'utilisateur d'à côté. Petite démo sur une appli Carto. Donc, un modèle de données utilisateur. District, c'est un raccourci pour dire commune. C'est une version générique dans une application internationale. Et puis, District. Et on a des clés étrangères entre les deux. Donc, pour l'instant, je ne fais que avec des clés étrangères. Cette table utilisateur, ben, Roger, Céline, Yann, Alex, ils sont listés et ça, on peut éditer facilement cette table pour dire qui a droit de voir quoi. On verra dans un deuxième temps qu'on peut raffiner les droits avec cette table-là. Et là, donc, vous avez un QGIS en dessous qui est connecté avec l'utilisateur Yann. Au-dessus, un PSQL, je suis administrateur et puis je vais changer le contexte de la base de données à la volée. Donc là, Select Current User, Session User, je suis Postgres en connexion et en utilisateur, j'ai le droit de tout faire. Et j'ai 42 223 conduites dans cette couche que vous voyez ici, couche de données. Je mets en place les Row-Level Securities. Je compte, je passe en utilisateur Yann, cette rôle Yann, et je compte combien j'ai de tuyaux dans ma couche, et puis j'en ai zéro, et je ne les vois plus dans la carte. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. On a activé la politique.
On a activé les filtrages sans mettre de politique. C'est sécurité avant tout. Puis on rajoute une politique, une create policy, où là je vais faire une clé étrangère pour vérifier que l'utilisateur courant est bien listé dans ce compte droit. Et effectivement, à la volée, je perds la commune de veto sur laquelle je n'avais pas les droits d'accès, et puis j'ai moins de tuyaux. Donc, si vous, je remonte la table utilisateur, l'utilisateur Yann n'a pas l'accès à la commune numéro 23. Et voilà, la commune de veto numéro 23 a disparu. À partir de là, moi, je trouve ça déjà absolument génial. Un autre essai sur une autre table. Alors, je vais prendre une table de borne incendie. J'ai 232 objets sur le même scénario. Je crée une politique de filtrage. Alors, ce n'est pas une table, c'est une vue. Donc, je vais aller filtrer non pas au sein des vues, mais au sein des tables sous-jacentes. Donc là, ça s'appuie sur une table de nœuds. Certains ne sont par héritage des bornes incendie. Et je passe en tant qu'utilisateur Yann, et là, piège, mince, j'ai autant de lignes et j'ai pas de filtrage qui s'est mis en place. Donc j'ai le compte identique. Moi, c'était mon premier piège, je suis tombé dans le panneau. C'est une vue. Et là, un coup de Stack Exchange m'a fait découvrir qu'en fait, une vue, lorsqu'elle accède à cette table sous-jacente qu'elle a exécutée, elle accède aux tables via les droits de l'utilisateur propriétaire. L'utilisateur propriétaire fait partie en général de ceux qui sont exclus, qui ont le droit de bypasser les Row-Level Securities. Donc, premier piège à ce niveau-là. La variable Current User, eh ben, elle va être transformée à la volée. Donc, ce n'est pas le même utilisateur qui va être filtré que ce que vous pensiez. Donc, deux conséquences à ça. Si vous travaillez sur des vues éditables, filtrez plutôt avec Session User qui ne va pas changer. Et évitez de mettre un propriétaire qui est super utilisateur sur vos vues, puisque sinon, ça va désactiver les Row Level Security. Voilà. Donc, répétez-le bien après moi, parce que j'ai passé quelques heures la nuit là-dessus à comprendre le truc. Un exemple de droit un peu mélangé. Donc là, on va s'intéresser à une colonne, par exemple, qui contient des privilèges, droit d'édition ou RO comme read-only. Là, on va empiler des règles. Donc une spécifique pour l'update, une spécifique pour l'insert, qui ne va pas être la même et qui vient lire dans notre table, qui rajoute un filtre sur la colonne privilège. C'est tout simple, c'est du SQL de base. Et ça fonctionne bien, je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans l'exemple, et puis c'est très difficile à montrer à l'écran. Un autre truc qu'on a envie de faire en Carto, c'est quand on n'a pas de clé étrangère attributaire qui nous permettrait d'accéder à ces informations-là, on a bien envie parfois de faire des filtres spatiaux. On a tous appris la puissance de faire du SQL spatial, trouver des objets qui sont à moins de 100 mètres d'un nœud, des objets qui se recouvrent, etc. Et comme c'est du SQL qui attend juste que pour chaque ligne on renvoie un vrai ou un faux, ben évidemment ça marche. Évidemment ça marche. Donc là, un exemple très simple, je filtre la table des fuites sur tous ceux qui sont à moins de 500 mètres d'un point arbitraire là que je crée à la volée, mais je pourrais faire une requête sur des tables. Et effectivement, ben, je récupère que ça. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. En synthèse, ça reste quand même un petit peu technique à rédiger pour tous les géomaticiens qui arrivent à Postgres sans passer de DBA. Il faut bien maîtriser les droits, les groupes, et ensuite on rajoute une couche de complexité. Il faut faire attention à la combinaison des règles, hein, le restrictif ou le permissif qui s'empilent de différentes manières, et donc on peut facilement se retrouver dans des contextes qu'on n'avait pas prévu de combinaison de droits d'utilisateurs et de territoires, où on n'a plus de données, ou alors il y a trop de données qui sortent. Ça devient technique si en plus on combine avec des droits par colonne. Donc une seule solution à ça, un bon papier, un bon crayon, et garder ça simple, keep it simple, stupid, comme on aime dire, et tester ça, rajouter des tests unitaires de chacune des combinaisons d'accès par territoire et par groupe, parce que sinon, c'est à peu près sûr que vous allez vous faire mordre un jour. Pensez aussi que ce sont des closeware qui s'évaluent du coup systématiquement sur l'ensemble des données et que si vous n'avez pas optimisé tout ça, bah, ça peut avoir un impact sur les performances non négligeables. Donc optimisez bien tout ça.
Il y avait notamment un problème de performance connu. Si Postgres était inférieur à la version 10, on évaluait l'ensemble de la donnée avant de faire le filtrage, donc c'était moins performant que maintenant. Si je vais avoir Dalibo pour le détail, moi je me suis arrêté à ça dans la doc. Je reviens sur les filtres spatiaux. Est-ce que c'est une bonne idée de se servir d'un outil surpuissant pour faire ça? Si vous avez des données simples à croiser géographiquement, où c'est assez performant de faire des tests géographiques, un point dans un polygone simple, un point dans une boîte d'encombrement, une recherche au plus proche voisin, des deux plus proches voisins, ça va être performant presque autant que de la tributaire. Oui, allez-y, pourquoi pas. Si vous commencez à faire du recouvrement de zones un peu grandes, essayez de trouver par une zone tampon si vous êtes à moins de 100 mètres d'un cours d'eau au sein d'une commune. Attention, ça va être forcément très coûteux. Vous allez ralentir toute l'application pour toutes les requêtes de select et de visualisation. Il va falloir précalculer des choses pour faire des filtrages attributaires. Et puis, grand piège que j'ai découvert, si vous avez une erreur dans la requête qui échoue, ce qui peut arriver avec PostGIS si on a des erreurs de topologie pour des données invalides ou des problèmes de croisement de données, la réponse va être vide et le message d'erreur ne va pas remonter à l'utilisateur. Donc on a d'un coup plus de données disponibles. Et à débugger, du coup, bah c'est compliqué pour l'admin parce qu'on n'a pas de message. Donc, attention, grand piège. Autre point grand classique, ça suppose tout ça qu'on crée un rôle Postgres pour chaque utilisateur de connexion et qu'on l'affecte à des groupes. Dans les cas des applis web, on n'a pas forcément envie, si on a des milliards d'utilisateurs, d'avoir des rôles Postgres en face. On a peut-être envie de laisser faire nos tables user classiques. C'est possible. Cette fois-ci, on ne va pas aller utiliser current user et session user. On va utiliser des variables de session qu'on peut utiliser, qu'on peut requêter en récupérant la syntaxe current setting. Donc voilà une façon de dire avant chaque requête, je capte ma requête, j'envoie un set. Que mon setting de la valeur d'un nom que je vais filtrer, le nom du user, et je rajoute ce filtre-là dans les règles. Ça fonctionne a priori pas trop mal. Voilà, j'arrive sur la conclusion. Hein, il suffit pour les vues, énorme intérêt d'avoir fait un modèle de données bien propre avec un bel héritage. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai mis un filtre sur les nœuds. Je vais filtrer comme ça en cascade tous les ouvrages qui dérivent des nœuds. Donc, j'ai beaucoup moins de règles à mettre en place que si je filtrais au niveau des vues, qui elles peuvent être hyper nombreuses pour les mêmes classes d'objets. Grosse mutualisation en vue. La lecture de table d'une vue, donc exploite l'utilisateur propriétaire de la vue. Donc, faites vraiment attention. Je répète, current user, danger. Et attention, si vous avez des utilisateurs propriétaires. Les RLS sont bypassés. Donc, explicitement, faites bien attention à caler des propriétaires qui sont des groupes utilisateurs admin explicites que vous avez créés et pas super user. Je n'ai pas inventé tout ça. Moi, je pensais que c'était important de vous en parler parce que c'est méconnu vraiment. Je vous renvoie sur ces références, notamment octobre 2018, Benny Stewart, qui montre ça en détail dans un workshop de 45 minutes que vous pouvez reprendre, qui parle vraiment de comment faire coexister RLS et application user, enfin, filtrage applicatif classique dans une appli traditionnelle, à quel point ça peut être plus efficace, plus performant et plus robuste aux failles de sécurité. Et je vous ai mis les liens là, vers tous les petits pièges que j'ai mangés en cours de route sur ce sujet-là. Moi, je tiens à remercier le client qui nous a permis de travailler là-dessus. C'est Charento, un syndicat de gestion des eaux en Charente, qui a utilisé cette application QWatt et qui a vraiment besoin que chaque commune accède que à ces données. Merci, merci. N'oubliez pas, dans un peu moins d'un mois, on a des journées QGIS utilisateurs. Donc, si vous avez des comptes rendus, des retours d'expérience de ce type-là entre le QGIS Postgres, déploiement de QGIS. Je suis aussi très preneur de vos retours, un peu comme aujourd'hui, au PG Session. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci pour tout. Merci Régis pour ta présentation.
C'est super retour d'expérience, encore une fois. On a quelques questions. C'est justement à propos des performances. Bah déjà, merci d'avoir bien appuyé sur les cas que tu as eu, les choses trappes. Parce qu'effectivement, quand on pense RLS, on pense vite aux problèmes de performance. Et est-ce que avec Explain, tu pouvais voir ce que déclenche comme opération sur les données le RLS spécifiquement? Au moment de son exécution, je ne sais pas. Moi, j'ai pris les selects au moment de les tester, en fait, et je fais des explains en dehors des RLS. Hein, je prends un exemple d'un utilisateur ou d'un groupe, et puis je regarde ce que ça donne derrière. Je n'ai pas été plus loin. Je vous pose la question, du coup, à des D'accord. On niveaux. va peut-être demander à Pierre si dans PF2, il a eu des histoires de RLS avec un fichier d'interface. Et une deuxième question, et dernière question, c'est quid de la réplication? Est-ce que toutes les politiques RLS comme ça, c'est répliqué normalement ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? J'en sais fiche trop rien. Il Je suis pas un faut expert de demander à Dalibo. l'application. D'accord. Est-ce qu'on a peut-être sur Twitter quelqu'un qui répondra à cette question? Merci Régis. De rien. Et donc, eh bien, on se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine présentation sur PostgreSQL à l'université avec Thibaut Madeleine de Dalibo. À tout à l'heure. Merci, au revoir. Au revoir Régis, merci.